La passion l'a pris à l'âge de 14 ans, elle ne l'a plus jamais quitté. Jean-Marie Chauffat est un grand monsieur de la montagne. À son palmarès, une soixantaine de premières dans le massif alpin et des expéditions à travers le monde entier. Il a tout fait, tout vu et tout grimpé. Il y a 2 ans, Jean-Marie apprend qu'il est gravement malade, un cancer. Crainte. Les yeux ? Je n'ai pas les mains, j'ai les armes. Après l'opération, je me suis dit je pourrais pas regrimper. Et là, j'ai pu regrimper un petit peu grâce aux copains, quoi, bien sûr, qui sont un élément important dans une phase, disons, de préopératoire, quoi. Parce que bon, ils m'ont aidé, ils ont essayé de m'apporter un peu la confiance, hein. Et puis j'ai pu un peu repartir, bon, je dois dire un peu grâce à eux, quoi. Hein. Bon, il verra pas sur l'écran. Grâce à eux, Jean-Marie redresse la tête face à la maladie. Pascal, Gérard et les autres, ils grimpent ensemble depuis 20 ans. Tiens, allez. Bon, on a pied deux, hein. Le jour où il m'a dit j'ai un cancer. Bon, ça fait un choc, parce que je me suis dit, alors les cancers, il y a toutes les images habituelles qui se rattachent, les types qui se laissent aller, qui se laissent dégrader, qui pensent, qui se referment sur eux, qui essayent de survivre en grignotant la vie tout petitement. Et ce qui m'a intéressé, c'est justement de pouvoir dépasser ça. Je me suis dit, on va quand même essayer quelque chose. Bon, t'es pas vraiment condamné, t'y es peut-être, on sait pas, on va voir, on y est tous un peu. Et ben voilà, fais un effort, pour moi, pour les autres, pour toi aussi. Ok, je décroche tout, Jean-Marie. Bon, croire qu'on l'a fait. Avril 91, Jean-Marie est opéré du foie. Un an plus tard, il rechute et subit une seconde intervention. Depuis, il a repris la montagne. Le rythme est plus lent, mais le corps va s'adapter. Laissez venir le mou. La différence qu'il y a donc entre des escalades que je faisais avant, les escalades de maintenant, c'est qu'avant, il fallait que j'aille très loin pour arriver à essayer de me dépasser, alors que maintenant, bon, j'arrive finalement assez facilement à mes limites, quoi. C'est la différence qu'il y a. Tête, oui, ça change des choses parce que bon, on est dans le doute en fait permanent. On est dans le doute permanent. Dès qu'il y a une petite douleur, dès qu'il y a quelque chose, on se dit oh là là, ça y est. Ou alors des jours où on n'est pas bien, parce qu'il faut aussi le dire. Il y a quand même plus de jours où on n'est pas bien que de jours où on est bien. Et bon, il faut quand même faire avec, quoi. Je veux dire, sinon on fait rien, quoi. Et puis c'est important pour moi de grimper. Au niveau psychologique, justement, pour essayer d'avoir un moral, pour essayer de conserver une partie qui soit positive. Le sport, en tant que façon de mieux vivre, est certainement un moyen important pour le malade d'avoir une meilleure réinsertion, de se sentir mieux dans sa peau, et donc d'avoir un meilleur vécu de sa guérison. Jean-Marie ne dit jamais qu'il est guéri, mais il est sûr que c'est la montagne qui l'a sauvé. La montagne, les copains, la famille, et puis cette volonté d'aller toujours plus haut, ensemble. Les médecins disent qu'il faut 5 ans sans récidive, donc ça fait la deuxième. Donc c'est sûr qu'il a une angoisse assez forte de ce côté-là. Hein. Enfin, nous aussi, mais... Je crois qu'il ne veut pas l'admettre non plus. Donc on fait comme si... On essaie de faire comme si ça allait, mais tout en sachant très bien qu'on peut avoir des jours plus durs,
ou meilleur, en fait. Voilà. Bon, Jean-Marie. Ouais. Tu fais quand même gaffe parce que c'est des tout petits machins. Ouais. Et si ça casse, c'est 3-4 mètres de vol garanti. Hein. Ouais, ouais. La mort devient quelque chose de plus perceptible et de moins abstrait dans le temps. La lutte en montagne, même si c'est très dur, même si c'est une lutte qui se fait dans une sorte d'extase, dans une sorte de joie, alors que la lutte pour la maladie, en fait, c'est une lutte pour la vie, mais contre quelque chose qu'on ne perçoit pas, qu'on n'a pas en face de soi. C'est-à-dire une paroi, on l'a devant nous. Donc on l'escalade, on sait qu'elle est là, on la voit, elle existe. Une maladie, c'est quelque chose qui est du type cancer, qui est sournois. Bon, je sors là, Pascal. Et voilà. Je pense que c'est un message en fait d'espoir et d'espérance et de dire à tous, il faut qu'on s'accroche. Et bon, moi, c'est avec la montagne, avec mon gamin et ma femme, ma famille, en fait, que je m'accroche. Un autre, ce sera avec une autre passion, mais je crois qu'il ne faut pas non plus, il faut essayer de s'enlever plein d'images, de clichés de la tête et essayer d'aller de l'avant et de continuer la vie comme avant, en fait.